Déby Clément, je suis producteur de tomates sur la commune d'Arles. Donc mon père s'est installé en tomates sous serre dans les années 70. Donc après avoir travaillé 10 ans avec lui, je me suis installé avec mon frère Vincent en 2007. On a créé une exploitation donc de 1 hectare 2, ensuite en 2009 un nouveau 1 hectare 2 et une chaudière biomasse. Vincent Clément, aujourd'hui on exploite 2,2 hectares de serre Novilite de chez Van der Hoeven et 1,2 hectares de serre modulaire aussi de chez Van der Hoeven. Ces trois serres sont donc gérées par Hogendorm au niveau du climat. Nous produisons deux types essentiels qui sont la tomate cocktail et la tomate bif. Donc le premier avantage de la serre modulaire, c'est qu'on est étanche aux insectes. Donc on a un filtre en fait avec lequel on va filtrer toutes les entrées d'insectes. Donc on va pouvoir avoir un produit sain. Ensuite, la serre modulaire, on va aussi optimiser le renouvellement d'air. Donc on va gérer chaque mètre cube d'air qui rentre dans la serre et chaque mètre cube d'air qui sort de la serre. De par ce fait, on va pouvoir avoir un meilleur taux de CO2 et donc produire plus de tomates. Donc pour chaque kilo de tomates produit, on aura utilisé moins d'eau, moins d'engrais, moins d'énergie. Donc on a un produit qui respecte mieux l'environnement et qui est donc un produit durable. Hogendorm nous a proposé un système très simple et efficace où on retrouve nos habitudes de serre standard. C'est même plus simple parce que par exemple, on n'a pas à gérer les ourans sur le toit. Donc, les jours de pluie, les jours de vent, on n'a pas de réglage particulier pour ces jours-là, donc ça simplifie énormément la vie et les réglages au quotidien. Et bien évidemment, on a tout le contact par le téléphone ou par ordinateur à distance pour contrôler la serre.